Salut tout, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais essayer de troll la salle en lui faisant croire que je vais être papa. Donc il faut savoir que juste avant, j'ai montré le message que j'allais envoyer à la salle à Boubou et à Nico. Donc vous aurez aussi la réaction de Boubou et Nico dans cette vidéo, qui est plutôt pas mal. Et vous aurez la meilleure réaction, hein, faut dire, la réaction de la salle, qui est pas mal non plus. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec la vidéo, bonne vidéo. Salut à tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique, ma foi exceptionnelle, ma foi Weekend Marines in the West forever and never and never. Et aujourd'hui je suis avec la salle et... Bon, je fais cette intro un peu fortifiée, un peu content, etc. Mais du coup j'avais un truc à t'annoncer, la salle, voilà. Ouais, j'aime bien. Mais sérieux. Déjà tu commences bien. Non sérieux, voilà, je sais que là je rigole et tout, mais c'est... Voilà, je voulais t'annoncer un truc, donc je l'ai déjà annoncé à d'autres gens avant. Ils étaient un peu choqués, voilà. Donc la salle, écoute-moi bien, je veux que tu m'écoutes. Et que tu voilà. Est-ce que tu veux lire le message à voix haute que j'ai reçu ce matin, ou tu veux que je le lise? Vas-y, lis-le. Tu préfères pas le lire? Vas-y. J'aimerais bien que tu lises. Mais par contre, je veux que tu réagisses après. Tranquille, quoi, tu le lis, tu respectes ce que le message, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, parce que c'est un message quand même très important pour moi. Et pour la personne en question. Je sais qu'elle va regarder. Je réagis après. Je sais qu'elle va regarder la vidéo de toute façon. Donc voilà. Du coup, j'ai coupé le numéro parce que tu verras, il y aura un numéro dans le message. Mm-hmm. Je l'ai coupé. Donc, tiens, je t'envoie le message. Vas-y, envoie. Ah là là. Bah, juste, voilà, tu dis pas le truc. Ouais, je suis pas débile, Nguyen. Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu te souviens de moi, mais je pense que oui, on s'est rencontrés en boîte au club. On avait pas mal sympathisé, même si on s'est vu qu'une fois, puis plus donné de nouvelles. Je voulais te dire quelque chose, j'espère que tu le prendras pas mal. Je sais pas comment te le dire ou te l'annoncer. Bah attends, oh. Ah, lis doucement, il y a les babons qui regardent là. Bah quoi, vous comprenez pas là? Bah non, on a rien compris. Du coup, recommence. Ouah, à partir sérieux de... Oh là là. Recommence on à partir de... On s'est rencontrés en boîte au club, on avait pas mal sympathisé, même si on s'est vu qu'une fois, puis plus donné de nouvelles. Je voulais te dire quelque chose et j'espère que tu le prendras pas mal. Je sais pas comment te le dire ou te l'annoncer, en vérité, je pense que tu vas être surpris ou choqué parce que je vais te dire là. Comme tu sais, on a fini ensemble ce soir-là et depuis ce jour, j'ai pas eu d'autre relation d'un soir ou même tout court, t'es la dernière personne avec qui j'ai couché. Ouah, c'est quoi ça? Déjà, ça commence mal. Déjà, quand on parle de coucher et tout, c'est... Non, mais ça, c'est un vrai message que j'ai reçu. Demande à Boubou. Attends. Hein. Si tu veux, je t'appelle Boubou. Hein? Si tu veux, j'appelle Boubou maintenant, tu verras. C'est un vrai message. Ah non. J'ai déjà reçu des messages comme ça aussi, mais j'ai jamais donné suite. C'est horrible. Alors, on continue. Je pense que tu vas être surpris ou choqué parce que je vais te dire là, comme tu sais, et j'ai pas eu d'autres relations d'un soir ou même tout court. T'es la dernière personne avec qui j'ai couché. Non, mais tu sais, t'es la dernière personne avec qui j'ai couché. T'as l'impression qu'il y a une liste et que t'es le dernier. Tu sais, c'est horrible en fait. Je sais que c'est humain, bon, sans exagérer, mais je sais que c'est humain, tu vois. Mais tu sais, là, ça dit comme ça, c'est non, c'est pas bizarre, beau. Quoi. C'est pas. C'est horrible. La dernière, ok, j'ai un truc à te dire, je voulais savoir si tu voulais en parler au téléphone ou quoi, voilà mon numéro, 06 blablabla, je pense que plus tu lis ce message, plus tu doutes de la chose. Je peux pas respecter le message, c'est trop drôle. Oh putain, ah, faut que j'arrête de rigoler parce qu'après... Vas-y, relis. Non mais rigole pas, sérieux, c'est pas bien. Oh bon, le troll, il est horrible. Mais non mais c'est même... Bon, moi, tu me trolleras jamais, mais alors même les gens qui vont regarder, là, ils vont rigoler, hein, tellement le troll, il est dégueulasse. Mais je vais le lire quand même. Attends, recommence. Je vais le lire parce que c'est tellement... Hein? Recommence une phrase avant. T'inquiète pas, je sais comment être un bon orateur quand il le faut, et ne t'inquiète. Alors, j'ai un truc à te dire. Je voulais savoir si tu voulais en parler au téléphone ou quoi, voilà mon numéro. Je pense que plus tu lis ce message, plus tu doutes de la chose.
Mais je porte ton enfant. Je suis à mon 5e mois de grossesse. Et je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, j'avais peur. Voilà, appelle-moi si tu peux. Ouais, arrête-moi si tu peux, ouais. Allez. Non, mais voilà, non, sérieusement, la salle, c'est. Il est affreux. Voilà, c'est juste, je voulais t'annoncer que je vais être papa et j'espère que t'es content pour moi. Mais tu sais que. Déjà, je savais que c'était pas une meuf qui l'avait écrit parce que t'es la dernière personne avec qui j'ai couché, à moins que la meuf elle ait aucun tact et aucun sens moral. Normalement, elle écrit pas ça. Hein. Je sais que c'est humain les relations et tout, mais t'écris pas ça, tu vois. C'est... Ouais. Et donc déjà là, je me suis dit, waouh, une meuf, elle a jamais écrit ça. Et puis, bon, je le savais depuis le début, mais je veux dire, là, c'était, même si je le savais pas, on va dire, même si je l'avais pas su avant, là, c'était le truc qui fait que une meuf n'écrirait pas ça. Ou du moins, pas une meuf avec qui, toi, tu parlerais profondément, tu vois ce que je veux dire, enfin, bref. Mais c'était non, mais c'est bon, j'en ai marre, là, ça, j'arrive jamais à troll, quoi. C'était marrant, je porte ton enfant, alors là, alors ça... Je pense que même si t'as 8 ans, t'y crois pas, hein. Même tu sais, viens de naître. Tu sais pourquoi j'ai dit ça à la salle? C'est que j'ai rigolé quand je l'ai écrit au cas où. Hein. Moi, quand j'écrivais. Bah, parce que je regarde Viking en ce moment. Et ouais. Du coup, dans Viking, ils parlent comme ça. Ils disent je porte ton enfant. Ah ouais. Du coup, ça me fait rigoler. Je voulais faire une petite dédicace à Viking. C'est magnifique. Alors, figure-toi que avant de troll toi, j'ai troll deux personnes. Donc, j'ai troll Boubou et Nico. Ouais. Et quand je vais envoyer le message, en fait, je voulais savoir, tu sais, je voulais connaître son avis, si le message était ouais. bien. Mmh. Et du coup, lui, il m'a dit que moi, bah, tu sais, il me connaissait pas plus longtemps, donc il y a cru un petit peu. Mais il m'a dit, par contre, la salle, je pense qu'il y croira pas, vu qu'il te connaît bien, etc. Il y croira pas, mais ça peut passer, il a dit. Et Boubou, il était mort, Boubou, la réaction de Boubou, elle est magnifique. Non, il se foutait de ma gueule et tout, tu vois. Ah, il y a cru. Il y croyait, mais pas trop. Il me disait, il me demandait, vas-y, jure et tout, jure que c'est vrai et tout. Et moi, tu sais, je jurais pas, tu vois. Et du coup, Boubou, il y a pas cru. Enfin, il y a, tu sais, il a rigolé sur le coup, mais il y a pas cru, on va dire à 100%, quoi. Mais par contre, Nico, il y croyait. Hein. Je disais, ouais, je vais faire comment pour l'annoncer à mes parents, etc. Franchement, je vais te dire un truc. Si t'avais voulu que moi j'y croie un peu, tu vois, genre vite fait, mais vraiment vite fait, tu vois, que j'ai un doute. T'aurais dû mettre, au lieu d'écrire tout ce pavé là, t'aurais juste dû écrire, faire un screen, tu vois, genre, t'envoies un message avec le numéro de ton frère, et puis hop, tu fais un screen, enfin, tu changes le nom, tu fais un screen, et t'aurais dû envoyer, tu m'as mis enceinte, espèce de sale chien. Et là, et là, j'aurais peut-être cru, là. Ah ouais, effectivement. Non, mais c'est impossible de troll, la sale chien. Je dis ça, enfin, pas cru, mais là, je me serais dit, ah. J'ai un doute, tu vois, tu m'as mise enceinte, espèce de sale chien. Voilà, je me serais dit, oh, j'ai un petit doute, là, il y a peut-être moyen. Mais jamais je te trollerai, la sale chien, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à troll. Voilà, je ne comprends pas. Bah ouais, c'est... Enfin voilà, c'est... enfin voilà. Bon bah du coup, la sale, j'espère que t'as... Mais déjà, la mise en scène ne va pas aussi, hein, je te le dis. En gros, quand toi, tu... Si par exemple un jour toi tu recevais un message comme ça, pour de vrai, tu vois. Ouais. Moi par exemple, quand j'ai un problème, t'as remarqué, bah, j'ai eu un problème il y a pas longtemps, t'as remarqué comment je réagis, basique quoi. Tu sais, pas de stress, pas de. Enfin, t'as vu comment j'étais. Voilà, c'est normal. Même toi, t'y croyais pas. Tu t'es levé, tu m'as dit, mais non, c'est impossible. Mais je t'ai dit, bah si. Et même quand je te disais si, tu croyais encore pas. Ouais, c'est non, tu me trolles. Bah ouais, parce que moi je change pas de comportement. Alors que toi. Quand tu as un truc qui te stresse, oh, ah là, on te reconnaît plus là. C'est oh ouais, oh non, attends, t'es comme ça. Et du coup là, tu me montres ce message en vidéo tranquillement, tout va bien. Bah non, c'est normal que j'y croie pas. Mais par contre, Nico, tu sais qu'il y croyait. Hein. Il m'a parce que lui, il savait pas que j'étais en vidéo, tu vois. Et je lui ai dit, j'ai vomi tout le matin, je suis en plein stress. Ah ouais. Et c'est lui qui sait que lui je vomis de temps en temps, tu vois, il y a cru un petit peu. En fait, pour que j'y croie un peu, hein,
il faudrait que tu rec, tu commences à rec, mais tu sais, tu me dis rien, tu commences à rec, tu m'appelles, et déjà, tu m'appelles pas sur Skype, tu m'appelles sur mon téléphone, tu vois, parce que sinon, forcément, j'y crois pas. Tu m'appelles sur mon tel et tu me dis, et tu t'es direct effrayé, tu vois, ouais, là, je sais plus qui, là, elle m'a appelé, il y a un problème, mais machin, tu vois, enfin, et encore, je sais pas si tu seras Écoute, assez bon acteur pour le faire, mais. j'essaierai de m'améliorer dans le futur proche. Ouais. Et voilà, dans les commentaires, dites-moi des idées de troll que je peux le faire à la salle. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous Mais le abonner problème. si c'est pas déjà fait. Non, mais attends, il y a un autre problème. Ouais. Maintenant, je suis au courant, ça marchera plus. C'est un autre problème qui s'ajoute, ça. Ah bah non, mais là, je vais trouver une autre idée. Ouais, mais j'y croirai plus maintenant. Mais Parce si, que maintenant que t'inquiète. je le sais, T'inquiète. ça se trouve demain. Tu vas faire un accident, je sais pas comment. Tu vas me dire, ouais, viens, viens me chercher et tout. Et je vais raccrocher, je vais te dire, casse-toi. Et je vais me rendormir. Non, mais tu sauras que je suis un bon acteur. Je vais te dire, bah prends en photo l'accident alors. Ouais, bah oui, bah là, j'ai plus de main, la salle. Je me suis coupé la main. Bon, en tout cas, bien joué à toi. Bon, je pense que c'est un. J'arrive pas trop. Parce que là, je t'avais annoncé que j'étais marié. Je t'avais annoncé que machin. J'arrive pas. J'arrive pas. Donc, en tout cas, j'espère que je te trollerai dans le futur. Mettez un petit like si c'est pas déjà fait. À vous abonner. Et voilà, n'hésitez pas à devenir membre pour jouer avec nous. Vous avez le lien en description. Ok, du coup là je vous explique un peu la situation. Je viens d'envoyer le message à Nico. Donc pour ceux qui connaissent pas Nico, il a déjà fait pas mal de vidéos avec moi. Je pense que tout le monde un peu le connaît. Sauf qu'il m'a envoyé What avec des points d'interrogation. En fait, je voulais juste enfin, avoir son avis sur le message, si ça passait ou pas. Je vais l'appeler pour voir sa réaction. Allô? Ouais, allô? Ouais. Ouais, t'as reçu mon message sur Skype? Bah oui, c'est quoi ça? Bah, je sais pas. Je sais pas quoi faire. C'est une meuf qui t'a envoyé ça quand? Ce matin. C'est vraiment une meuf que t'as ken? Bah ouais. Comme ça, sans rien? Bah, le problème c'est qu'on s'était pas protégé quoi. Et mais je sais pas quoi faire parce que je sais pas si c'est vraiment moi ou quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Sauf que moi je sais pas. Ma mère elle va me tuer. Elle a quel âge, elle? 22. Elle est de Metz. Allô? Ouais, je suis en train d'halluciner. Non mais t'imagines 5 mois de grossesse? Elle peut rien. Enfin. Ah non, on n'a pas enfin. Après j'assume, Cinq hein. mois. J'assume, j'assume. Oui, bien sûr que t'assumes. Mais tu peux pas avoir. Si tout ça c'est vrai, gros, tu peux. Bah, après. Mais comment je vais faire moi avec YouTube et tout? Enfin mes parents, YouTube, comment je vais leur dire que. Enfin voilà quoi, c'est une meuf que j'ai vu en boîte et c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu. Enfin, tu vois, comme elle l'a dit dans le message, on s'est vu une fois et après je l'ai plus calculé quoi. Elle t'avait dit que tu pouvais y aller ou je comprends pas? Comment ça? Elle t'avait dit c'est bon, je prends la pilule ou je sais pas quoi? Bah non, je pensais que moi elle avait pris la vaccine, elle prend la pilule quoi. Mais du coup, moi, vu que j'avais pas de. Voilà, j'avais pas de préservatif, bah. J'ai fait ce que j'avais à faire, quoi. Tu peux demander un test, hein? Ah, mais arrête, Nico, je peux pas. Si le gosse il sort. Et après, je le cache à mes parents, tu vois ce que je veux dire? Autant leur dire tout de suite à mes parents. Ah oui, clairement oui. Et du coup, je voulais savoir si le gosse il pouvait l'appeler Nico. Ah, t'es pas drôle, gros. J'étais en train de paniquer pour toi. Oh, oh là 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 là. Oh le bat. T'as un message à dire aux abonnés ou pas? Oh le bat. Oh le bat. Oh la Je putain.
Non, en gros, je t'explique la situation. Je t'ai envoyé ce message pour que tu me donnes un avis. Parce que je vais troll la salle là dans une heure là. On va faire les deux dans une heure. Du coup, je t'ai envoyé le message pour voir si ça passait. Et je vois que t'es. En fait, du coup, je disais juste avant de t'appeler, ce que je disais aux gens, c'est que. Je voulais. Enfin, tu m'as envoyé what avec plein de points d'interrogation. Je vous mets le screen. Ouais. Et du coup, bah, en gros. Je voulais avoir ton avis, mais vu que t'avais mal réagi. Un peu choqué. Ouais. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le troll pour rigoler. Je sais pas si ça va passer. Mais en tout cas, c'est bien. Tu l'as bien amené. Ça, c'est sûr que tu l'as bien amené. Ok, vas-y. Bah, merci à toi. Surtout quand t'as dit pourquoi elle m'a pas prévenu avant 5 mois. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est un piège, quoi. Tu vois, 5 mois, t'es niqué, tu peux plus rien faire. Bah, c'est ça le truc. Okay. Bon. Essaie de pleurer un peu. Je vais voir ce que je vais faire, vas-y. Ouais, allô, t'as reçu le message? Ouais. Bah, choqué. Tu mens. J'ai reçu ça ce matin. Allô? Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, c'est lui. T'as reçu ça quand? Bah, le matin, là. Et c'est qui? Elle sort d'où? C'est... Bah, tu sais, la brune, là. La petite brune. Elle est toute maigre, là. Je te crois pas. Qu'est-ce que je fais, Bata? Qu'est-ce que je fais, Momo, sérieux? Non, mais dis-moi ce que je fais. Tu mens, c'est quelqu'un qui s'est foutu de ta gueule. Oh là là, c'est elle, c'est son snap, gros. Ah, t'as envoyé ça sur snap? Je l'appelle ou pas? Bah ouais. Bâtard, 5 mois, bâtard, on peut même plus. Je te crois pas. Je fais comment là, sérieusement? Non, mais là je rigole parce que tu me fais rigoler, mais batteur. C'est une blague. Comment je fais? Oh, vas-y, bah me crois pas, écoute. Ta gueule, batteur. C'est qui t'a envoyé ça? C'est le message que je vais faire au pilou là, je vais le troll après. Oh les bâtards. Le Nico il y a cru, hein. Non, mais ça se voit que c'est. T'avais pas été dans cet état. Le Nico y a cru, là je viens de faire toi, et là j'en fais d'autres, là, petit à petit. Bah j'y ai cru vite fait. Hein. Ouais, vite fait. Mais toi tu me disais de jurer aussi, donc... Ben... Bon bah Bouboulian n'y a pas cru les gars, malheureusement.